Mais ça pour nous faire, si on est indisposé, pendant la vomi. Est-ce que bien? Est-ce que bien? Sans gain! Sans gain! S'il vous plaît, frère Sou! Qui problème? Frère Sou! Quand est-ce là? Lila, Lila! Est-ce que tu as un sac passé? Non! Ok, je vais regarder ça café, Alder Ed. Ok, merci. Allô? Bon, l'important dans un cas comme ça, pour nous vérifier, pour nous voir si pas de danger, si pas de courant, pas de quelque bagaille bon côté monsieur qui a porté monsieur danger. Après ça, il faut vérifier pour nous voir s'il y a un pot qui bat. Nous allons checker ça de côté. Nous allons checker la cour ou bien checker la pont. Pour vérifier, pour nous voir s'il y a un grand petit battement. S'il n'y a pas senti, nous allons rapprocher maintenant pour voir s'il a respiré. Dans ce cas-là, monsieur a respiré, je m'attendais, puis je vais sous tout le tap vomi. Donc, vu que le tap vomi, c'est important pour nous mettre en position, pour vomir, pas tout faire, si toutefois il a venu pour le revomir encore. Donc là, je vais mettre en position côté de bouger le bien. Tête là, c'est important. Nous soulevons la tête là. Nous prenons la main, nous mettons comme ça. Comme ça, si la vomi encore, vomi a juste coulé. Il n'y a pas tout faire, il n'y a pas prêté tout faire. C'est très important.